Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Bienvenue en France. Đây là channel giúp các bạn học tiếng Pháp chỉ với không đào. Và ngày hôm nay, sau một ngày dài làm việc vất vả, thì các bạn đã sẵn sàng cho giấc ngủ của mình chưa nào? Và trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng nghe một giọng đọc chuyện tiếng Pháp để cùng nhau dùng tiếng Pháp du mình và giấc ngủ nào. Les musiciens de Brême. Un meunier possédait un âne qui pendant des années avait porté des sacs de grains, mais commençait à perdre ses forces. La pauvre bête comprit que son maître s'irritait de sa faiblesse et elle préféra s'enfuir. Comme l'âne marchait en direction de Brême avec l'intention d'y revenir, d'y devenir musicien au service de la municipalité, il rencontra un chien couché au bord de la route. « Pourquoi gémis-tu ainsi ?» demanda l'âne au chien. « Ah !» répondit le chien, « parce que je suis vieux, je ne peux plus chasser et mon maître voulait se débarrasser de moi. Je me suis enfui, mais comment vais-je gagner mon pain maintenant ?»« Moi, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Allez, viens avec moi, je jouerai du violon et toi du tambour. » Le chien fut ravi de cette proposition et les deux nouveaux amis se mirent en route. Bientôt, ils rencontrèrent un chat qui avait l'air triste, triste comme un jour de pluie. « Qu'est-ce qui ne va pas, vieux matou ?» demanda l'âne. « Croyez-moi, soupira le chat, je n'ai pas envie de rire. Je deviens vieux, mes dents s'usent et je passe plus de temps à dormir près du poêle qu'à attraper les souris. Ma maîtresse a voulu se débarrasser de moi. Je me suis sauvée, mais maintenant, je ne sais pas où aller. »« Mais viens à Brême avec nous !» proposèrent l'âne et le chien, « tu seras musicien. » Le chat accepta de les accompagner. Quelques instants plus tard, les trois fugitifs passèrent devant une ferme. Un coq chantait de toutes ses forces perché sur le portail. « Qu'as-tu donc à crier ainsi ?» demanda l'âne. « Mais demain c'est dimanche, expliqua le coq. La fermière a des invités et elle veut me manger. Je chante tant qu'il ne me reste encore un peu de temps à vivre. Mais viens donc avec nous plutôt que d'attendre la mort. Tu as une belle voix, tu pourras faire de la musique. » Le coq accepta ce conseil et tous les quatre se dirigèrent vers la ville de Brême. Vers la fin de la journée, comme ils traversaient une forêt, ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre. Le chat sauta sur une branche et le coq se posa sur la cime. De là-haut, il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses amis et leur dit qu'il devait y avoir une maison de ce côté car il voyait de la lumière. L'âne dit « Levons-nous et allons-y, ici ce n'est pas confortable. » Le chien pensa que quelques os avec un peu de viande autour seraient les bienvenus. Ils marchèrent donc tous vers la lumière qui grandissait au fur et à mesure qu'ils approchaient. Finalement, ils arrivèrent à la maison qui était habitée par des voleurs. L'âne regarda par la fenêtre. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda le coq. « Ce que je vois !» répondit l'âne. « Une table bien servie et des gens en train de se régaler. Ce sont des voleurs. C'est une maison comme ça qu'il nous faudrait !» s'exclama le coq. « Eh oui !» soupira l'âne. « Mais comment faire ?» Les quatre amis discutèrent, cherchant un moyen de faire déguerpir les voleurs. Finalement, ils eurent une idée. L'âne appuya ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre, le chien sauta sur son dos, le chat bondit sur le dos du chien et le coq se percha sur la tête du chat. Puis, ainsi installés, commencèrent leur musique. « Hi-han !» chantait l'âne. « Wou, wou, wou !» aboyait le chien. « Miaou, miaou !» faisait le chat. « Cocorico !» criait le coq. Les voleurs furent épouvantés par un tel vacarme et croyant entendre un fantôme ou un monstre, ils partirent en courant dans la forêt. Nos quatre musiciens s'installèrent à leur place et firent bombance. Puis rassasiés, ils soufflèrent les bougies et chacun s'installa confortablement pour passer la nuit. L'âne se coucha dans la cour, sur le tas de paille, le chien près de la porte, le chat dans l'âtre, tandis que le coq se perchait dans le poulailler. Comme ils étaient fatigués de leur voyage, ils s'endormirent tout de suite. Les voleurs n'étaient pas partis bien loin. Cachés dans la forêt, ils virent que la lumière était éteinte. Tout paraissait tranquille. Leur chef dit « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. Toi, dit-il à l'un de ses hommes, va voir qui a pris notre place. » Le voleur s'approcha doucement de la maison, entra dans la cuisine et comme il faisait noir, il voulut allumer une bougie.
Il ramassa une brindille dans la cheminée et l'approcha des braises. Mais ce n'étaient pas des braises, c'étaient les yeux du chat qui brillaient dans la nuit. Le matou n'apprécia pas du tout la plaisanterie. Il se mit à cracher. Et toute griffe dehors, il sauta au visage du voleur. L'homme voulut se sauver par la porte de derrière, et le chien qui était couché à cet endroit bondit sur lui et lui mordit les jambes. L'homme s'échappa dans la cour, mais comme il passait près du tas de paille, paf ! L'âne lui expédia un terrible coup de sabot dans les fesses. Alors le coq, réveillé par tout ce bruit, cria du haut de son perchoir « Cocorico, cocorico !» Le voleur s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et se réfugia auprès de ses camarades. Il leur dit « Dans la cuisine, il y a une affreuse sorcière. Elle m'a craché à la figure et elle m'a griffé avec ses ongles pointus. Derrière la porte, il y a un homme avec un couteau. Il m'a tailladé les jambes. Et dans la cour, il y a un monstre noir. Il m'a donné un coup de marteau. Et sur le toit, il y a un juge qui s'est mis à crier « Condamnez ce coquin! Condamnez ce coquin !»« Oh, fuyons, fuyons maintenant !» crièrent les voleurs épouvantés. Jamais ils ne revinrent. Les quatre amis renoncèrent à être musiciens. Ils étaient si bien dans cette petite maison qu'ils y restèrent et y vécurent en paix. Ok, vậy là tiếng nhạc đã khép lại video ngày hôm nay. Các bạn nếu thấy thích thì like, thấy hay thì subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày tiếp theo. Bonne nuit. Peace.